Les recherches se poursuivent ici grâce notamment à un hélicoptère venu spécialement de la base aérienne de Cazaux dans les Landes. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre derrière moi, c'est assez impressionnant. L'homme âgé de 59 ans serait tombé de son paramoteur dans la Charente ici, entre Dompierre sur Charente et Chérac en Charente-Maritime. Il habite Roufiac, une commune voisine, et pratique ce sport aérien depuis une quinzaine d'années. Alors, le paramoteur, c'est une voile de parapente accrochée à un cadre métallique avec derrière une petite hélice qui permet de s'élancer rapidement dans le champ, comme il y en a de nombreux ici dans le département. L'appareil, lui, a été retrouvé un peu plus tôt dans l'après-midi. Les recherches se poursuivent, mais sont compliquées, notamment en raison des fortes crues ici sur ce secteur.